Par où je passe? Ah bah on va essayer de se promener. Je sens que je vais réussir à mourir bêtement. Je change la caméra déjà. Non, je voulais pas descendre. Ok, pas la touche V. Ah, Coustis qui fait des petites remarques, j'avais pas cramé ça à l'époque. Ok, on peut pas modifier la carte, on va vivre avec. Salut Sora, comment tu vas? Quoi de beau? J'essaie de trouver la cachette de quelques GeForce avant de reprendre l'histoire. Mais je suis un peu perdu! Pas grand chose. Tu passes un bon week-end? Ouais, Joranda, Pampa, Tombéry. Thank you.
Je vais réussir à tomber sur Bahamut, façon de parler. C'est quoi, je vais aller au village Fumi si Shumi si c'est ça. Coucou Bubu. Bubu, je lui rends argent 4 sur Earth. Merci Bubson. Ah, je peux aller sauver Balamp, mais j'essaie de me promener un peu. Amis, je voulais pas vous parler. Ok, enfin. Wow. En vrai, j'essaie de trouver Tombéry, Pompa et Odin, mais le temps que je me souvienne où c'est, laissez tomber. C'est sur l'île tout au sud, je crois, hein, il me semble. Ah ouais, il est chill leur ascenseur. Tombéry et Odin, c'est au même endroit, île de l'enfer. Ok, il va falloir que je la retrouve. Putain, ça doit être Sarachan pour ses punchlines. Tombéry, je sais même pas qui. Tombéry, je me rappelle, faut que je tue un homme de Tombéry. Je crois que Tombéry, Odin. L'orphelinat? D'accord. Cette musique. Celle de Julia. Un petit Mumba.
faire ce qu'on veut, la musique de l'époque, hein, ça détendait. On a envie de faire une petite sieste là. Promis, si je trouve l'île, je fais. Mais il faut que je... Oh. Il va me dire Laguna lui aussi? Non. Oh la grenouille à la maille vieillie. Mais pour l'île, il faut avoir l'île, non? Non, parce que justement, à la fin du CD2, tu vas vers l'orphelinat et tu sais, il y a l'embrouille entre les facs, donc... Ok. Ok. Ouais. Ah, j'ai cru qu'il continuait. T'es sûr, Bubu? Il me semble que si, sinon un certain Shoda, il m'aurait menti. Eh, c'est une statue de Laguna. Je vérifie, mais de mémoire, c'est ça. Ok, merci beaucoup, Bubu. Ouais, c'était quand il a fui les champs des stars. Ah super, je vais pouvoir passer comme ça. Tadadam! Eh oui, les Moonbats sont l'évolution des Shumi. C'est des Pokémon en fait. Ok, merci Bubu. Mais t'es sûr c'est sur l'île de l'enfer alors? Je vérifie vite fait, hein, en repartant au sud, mais bon. Oui, large, large. Il pend pas sud-est. Attends, là c'est le mec des bagnoles. Ouais, on va le laisser tranquille, hein. Île de l'enfer. Oh, ok. Ouais, l'île de l'enfer, il me semble, c'est l'île où tu te bats contre les mobs pour passer level 100, non? Ou je me trompe encore avec un autre endroit? Aller vite faire l'ancêtre. Ouais, des mobs assez balères. Ouais, voilà, vénère. J'allais dire balèze et vénère, j'ai dit balère. Bienvenue en ces lieux. Ils font peur, les choumis, en vrai. Mais ça va pas archi vite. Ouais, non, c'est ça, quoi. Voilà, il recherchait une certaine Elon.
Et en vrai, je sais pas si ce serait possible d'avoir un aquarium comme ça, mais ça doit être super classe. En plus, là, les deux poissons ils jouent à Mario Kart, mais on dirait que Dory est en avance sur Nemo. Oh, ok. Je vais aller là où il y a la statue. Ce qui m'a toujours intrigué ici, c'est qu'on est 323 ou 24 mètres sous terre et j'ai jamais compris comment ils ont la lumière du soleil, quoi. Ils ont mis des lampes ou... Ouais, pourquoi pas, mais alors là, je... 5 rocs, d'ombre, vent, vie, pierre et aussi une pierre bleue. Oh, je crois qu'il faut que je fasse la quête des chocobos. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous la faire ce soir. On va quitter le village. Oh, ça repousse vite. Par contre, j'ai l'impression qu'à l'époque, les magies, ça prenait grave du temps pour être rechargé, alors que maintenant, non. À l'époque, je m'en souviens, genre, tu terminais une source de magie, laisse tomber, et fait, tu repasses dans 3 CD. On va voir si Ultima est revenu, ça m'étonnerait, mais bon. On va essayer de se faire quelques gardiens de force. Attends, depuis tout à l'heure, je me promène avec lui, il a rien du tout. Ah ouais, mais je suis suicidaire, moi. Ok, j'ai pas compris pourquoi elles se sont enlevées. Ma foi. Oh, je sais même plus comment j'avais mélangé les chimères en plus. Eh non, et forcément, t'as plus tes magies. Oh là là. 2 secondes, un petit réglage. Thank you.
1600 HP. D'accord, je commence à fatiguer moi. Pourquoi picher sur Irvine? Pas tout de pupu. Attendez, je reviens vite fait moi. Je vais juste regarder, j'avais fait quoi comme mélange à l'époque? Je regarde vite fait sur un ancien stream, parce que je sais plus, j'ai mis quelle chimère à qui. Ok. Ok, lui en attaque, il devrait faire vraiment mal. Annuler problèmes mentaux, ça me fait tellement délirer. Ça m'a l'air d'être bon. Je vais essayer d'aller sur les îles du sud maintenant. Alors Sora, sinon t'as repris FF10. Et t'en es où environ? Seulement je sais comment modifier la caméra. Ah, tu as fini? Ah ouais, excuse-moi. Waouh! C'est FF10-2? T'aimes bien FF10-2? J'ai jamais su comment on appelle le boss final dans FF10 là, Vegnegan ou je sais pas. Ok. Thank you.
Ouais, Vegnagen. Vegnagen. Ouais, je me suis toujours posé la question entre lui et Sin, c'est qui gagne? Je vais réussir à coincer ma fac, moi. Ouais, tu dirais Sin malgré tout. Pourquoi? Oh, je sais pas si je vais y arriver par contre. Vegnagen est une machine, elle peut être détruite, mais Sin, tant que le rêve des priants ne s'arrête pas, il ne peut pas mourir. Très bonne réponse. Ah ouais, j'ai le compte à rebours direct, genre même pas on me dit bonjour. Oh non, il tout hein. Oh, je sais même plus, faut que je fasse quoi pour la quête. Je crois qu'il faut que j'aille l'affronter justement. Mais j'ai complètement oublié ce qu'il faut faire. Et que tu sur... T'es sûr? Je crois qu'à la fin du temps justement il me tue. Ok, Mario 64. Tu le tapes et tu dois rester en vie. On va essayer. Bon, l'avantage d'avoir nos combats, c'est que ça me met bien quand même. Adieu monde cruel. Les types qui ont fait le dessin des choses quand même, ils étaient forts. Je sais plus du tout si je dois rester ou ressortir. Ah oui, non. Thank you.
Le jour où je vais faire Bahamut, ça va être drôle. Ok, vas-y, je te lis. J'essaie de savoir si je dois prendre cet œil ou pas du tout. Pauvre Sora. Elle qui pouvait regarder un stream tranquille, elle est obligée de faire des copier-coller. Sur un interrupteur, ouais, redescendez tout en bas, l'autre interrupteur. Voilà, et ensuite j'ai pris les escaliers sur la droite et j'arrive au statut avec les yeux. Frottez-les, da 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 da. D'accord. Ok. Donc j'aurais dû prendre l'œil d'en bas. Récupérer l'œil gauche, récupérer avant. Et laisser l'œil droit. Comment je suis censé prendre ça par contre? Notez-le, car c'est un code qui peut changer d'une partie à l'autre. Streamlabs qui s'y met. Alors, 2, 9, 2, 4, 2, 2, 9, 29 242, ok. Une fois ce code, reprenez les deux yeux, ok. Redescendez jusqu'à la première statue. Comment je modifie? Ok, en avant, baston contre Sarah-chan. Vas-y. Combien de HP? 7000. Ok, ça va le faire. Ça peut le faire. J'aurais peut-être tapé Zell pour faire son limit break là, mais on va voir. Ah, j'aurais dû voir ce que je peux lui voler, je suis bête.
livret chance, ouais. Super, un livret bancaire. On va taper Zell, faut qu'il mette ses limites break quoi. Pas d'objet. Je crois que je lui ai volé l'objet mais je suis pas sûr. Non, je l'ai endormi. Non, meurs pas Zell. Pitié, t'endors pas. Ok, non, ok. Zell, debout. J'ose pas attaquer Zell, parce que je me dis, il va réussir à le buter aussi. Faut qu'il se réveille, mais... C'est pas l'heure de la sieste. Non mais il dort... Ah, c'est un truc de ouf. J'hésite à lui balancer une ultima dans la tronche. Ah, ça aurait été malin si je peux me piller moi-même. En plus, j'ai pas les objets. J'ai pas l'air bête là. Ah, mais je suis bête, j'ai la magie Isuna. Y'a des bois de sel de... Je crois que c'est Squall qui a les Ezuna, mais je vais voir. Ok, on va commencer à pouvoir faire mal. Attention, j'enchaîne. C'est comme quand je lave la vaisselle sur Cook Servant Delicious. Je dois faire les mêmes touches. Vive Ezuna, je te jure. C'est les mêmes touches. Laver la vaisselle ou mettre des patates. J'espère que ça va pas faire le même bruit que la lasagne dans Cook Servant Delicious. Pas mal. Oh bah tiens, il l'a buté. Super. Vive Ezuna. Carte d'un. Ah mais je pourrais pas le rename, je crois, non? Si? Non, ok. GG. La Takashi, on dirait que Zell tape dans un truc... Ouais, grave, ça fait des petits bruits, genre. Ça fait piou piou. Bon bah voilà une chimère qui va être utile pendant un bon moment. Attends, je peux continuer par là? Non mais ça je t'ai monté tout à l'heure. Ouais. Je vais relire ce que tu m'as dit. Tu m'as dit la magie supplice. On va essayer de la prendre hein, vu que je suis à côté. Une fois arrivé au dôme, vous pouvez bouger la magie supplice sur sa droite. Ok. Bubu m'avait dit que le Pampa il est sur une île à part, mais que le Tonberry il est sur la même île.
On va essayer de trouver le tombéry, de se le faire, et ensuite on va aller sauver Balan. Ça marche? Ah mais comme quoi les bretzels ça arrivait les ailes quand même. Au fait, tu n'as pas eu de soucis avec le Daily Google et ses soeurs de serveur? Non. Donc ça va. T'imagines, il y a des gens, ils ont perdu leurs choses quoi. Faut que je pense à faire une sauvegarde de mon site et tout. Au cas où, on sait jamais. Ça serait bête quoi. Que j'ai dépassé les 600 trucs. Je veux pas. Si je les perds. Et même si je me souviens à peu près de tout ce que j'ai pu raconter, c'est pas pour autant que je me souviens parfaitement quoi. Ce cactus géant au sud de la map monde, ouais, sur une île. Non, pas Pampa, Tombéry. Pampa, je pourrais pas. Pampa, il faut venir avec l'hydre. Attends, j'ai dit Pampa tout à l'heure, peut-être. Lui, je pourrais pas, il faut que je vole dans les airs. Se regarder, il faudra tuer 20 tombéries. Ouais, ça je m'en souviens. Je sais quand j'en tue 20 qui pop. Automatique, ça peut être pas mal ça. Mais je sais plus, il est sur qui, mais on va augmenter les HP de la personne. Centra, ruine de Centra. Ok, bon bah écoute, on va chercher, ça doit pas être si loin. Attends, je suis grave bête. En fait, ça, c'est pas dans un lieu, c'est juste là. J'ai juste à descendre et à me battre contre des monstres. Et au 20e, il apparaît sur la map monde. Ouais, non, et moi depuis tout à l'heure, chercher une zone, s'il te plaît. Dans les mêmes ruines que j'affronte les... Ah! Attends, on va repartir dans les ruines si c'est le cas. Depuis tout à l'heure, en fait, c'est pour ça que je confonds les deux et je... Ok, je comprenais plus. Mon cerveau avait retenu, tu vois. Vous avez vaincu le Tombéry, ouais. 50e, oh mon dieu. Alors déjà, est-ce qu'il y a un Tombéry? Ouais. Allez, 1.
grave, mais j'ai fait une erreur. Il faut que je regarde, ils ont combien de HP, comme ça je vois à peu près ce que je dois leur mettre dans les dents. Ok, il est toujours vivant. Votre sacrifice ne sera pas vain, grave. Par contre, si c'est-à-dire au 19ème combat, il faut que je sorte sauvegarder. Oh, ils ont 19 000 HP. Non, j'y arriverai pas. Attends. Je dois trouver. Non. Et là, il faut que je bois du whisky. Non, il faut que je fasse quelque chose. Grave, Odin il veut pas venir là. Là il serait utile s'il vient dans l'un des. Bon, est-ce que je peux pas prendre les 6 membres de l'équipe pour une fois? Oh, non, mais attends, je vais booster mes persos vite fait. Je vais leur mettre des meilleures magies, comme ça ils auront des meilleures stats. Surtout Zell en fait, ça va être mon DPS. Allez, les emmerdes commencent. Regarde sa petite lanterne, trop chou. Ça c'est moins chou ça. Ah ouais, il prend du temps à... Je suis level 20 seulement. Mais c'est surtout un jeu de statistiques. 1000, ouais, ça devrait, il faudrait que je fasse 10, 19 ifrits. Non, c'est trop. Merci, Sora. Ah, il va bientôt me planter. Si, si, j'ai quelque chose qui peut booster, mais attends, je vais manger mon game over. Je vais passer un moment à améliorer mes magies. Ah, ils ont butin. Si, si, j'ai vu. Non, mais attends, t'inquiète. Alors je crois que les vies elles sont sur Squall. Je suis dans le pot de drap. Ouais, je me laisse mourir. Non, mais au pire, je vais changer, je vais leur mettre les objets, et je vais voir justement comment je vais le faire. Je vais soit faire ça, soit. En fait, je vais voir, grosso modo, est-ce que ça va être ça, limit break, magie, je vais voir. Parce que si c'est ça, peut-être faudrait, je sais pas, je change l'Inoa par Irvine et je balance la sauce. Ok. 1! Leur pote il est KO mais... Merci.
va venir là et on va créer plein de magie. Bah voilà, déjà tout le monde va avoir ses brasiers. Je vais essayer le Madrush après peut-être. Non, la Magikarp, ça peut être pas mal, ça enlève 20 quarts de leur vie. Pauvre Sora qui est en train de voir tous les trucs, je suis désolé. Voilà, ouais, à mon avis, oui, parce que... Oh bah déjà ça peut être pas mal. On va les sauvegarder vite fait. Oh oh. Ah déjà il fait le double de dégâts. Faudrait que je lui mette 30 coups.
fait, le nom du stream, ça aurait dû être Zael tape des petits hommes verts. Oh non, il va m'en fumer, hein. Pourquoi? Ok. Ah, je sais plus, je dois appuyer sur quelle touche. J'ai sauvegardé, mais j'ai essayé de mettre un madrush. Hein. C'est peut-être plus rentable. C'est plus rapide maintenant. 2. Maintenant, je vais essayer Mad Rush. Donc, je vais pas les régén. Je veux juste voir en Mad Rush, ils font combien de dégâts et à quelle vitesse. On va rester pas loin là, on va rester là. Comme ça, je peux sortir sauvegarder rapidement. Ah, mais je suis bête, j'ai oublié d'installer ma drogue, je crois. J'installe ma drogue après le troisième pro. J'ai mis tellement de coups. Ah, mais lui, il faut que je trouve la touche pour faire le R1 et L1. Il y a déjà le madrush, je viens de m'en rendre compte. Ah, je suis vraiment fatigué, moi, des fois. J'espère que je dois pas en faire 50 Sora. Et 2-3, j'espère pour tous. Ah ouais, il va falloir 3 ou 4 streams, genre. Bon. J'espère que le madrush... Oh, une carte tombée. Oh, c'est pas mal. Ok, on va tester le madrush maintenant.
Peut-être que ça va être plus intéressant pour moi et pour toi. Ok, elle va attaquer. Et là ensuite ils vont attaquer tout seuls. Je vais mettre le boost et on va voir. Mais j'aurais peut-être dû les rechaîner, mais je vais voir si ça vaut le coup justement. C'est pour ça que je vais sauvegarder. Voilà, je mets en up. Taper tout seul un peu. 400. Calamité, il va m'en jeter un. Deux. Ok. Bon bah pas de matroche. J'aime trop, on dirait qu'elle est en train de lui tirer dessus pour qu'il avance pas. Mais... elle a pas assez de DPS. On va assister à sa mort. Quoique je peux fuir, c'est quoi les touches? Je crois que c'était F, non? Hop là. Yo, pas de matrush. Comment je peux faire ça plus rapidement? Odin, il veut pas apparaître une fois quand même. Je vais tester un truc. Je vais tester. Attends, je vais t'invoquer Sora. Je vais voir si le bouclier marche. Oh mince, je dois fuir à nouveau. Parce que elle a pas les invocations. Je vais voir si ça renvoie le calamité sur lui en fait. Et dans ce cas-là, j'aurais juste à t'invoquer et balancer ma rush. Ça m'étonnerait, mais bon. Oh, en vrai, je suis bête. Je peux tricher au pire, attends. Oh non, c'est Zell qui l'a. Bon, on va tricher. Voilà. Un peu de triche. Ah bah il va quand même m'en buter, hein, super. Attends, c'était le quatrième ou le cinquième? Non, c'était le quatrième. Ok, ça fait 4, on va faire ça. En vrai, je perds plus du temps que... qu'autre chose, il va m'en buter un. Ouais, par contre, je sais pas pourquoi Lino, elle encaisse tellement magie. Mais eux, ils encaissent que dalle. Ça fait 5. Faut que j'aille sauvegarder au 19e. En fait, on fait plein de bruit dans le hall, c'est pour ça qu'ils viennent nous buter. 7. Bien entendu, j'enlèverai le truc contre le boss. C'est juste pour accélérer. Est-ce que j'ai pas dit 2 x 8? Je sens que je vais réussir à me courir moi. Ok, 9. Ok,
Merci Sora. Oh, qui suivent. L'homme qui ne savait pas compter jusqu'à 10. Ok, là c'est 10. Ah, ils m'ont butin. Ok, youpi, boum, allez, bravo. 11. C'est quoi? Je vais aller sauvegarder. Là du coup? Ah j'étais pas à 10. Ah ouais, plus que 9. Ok d'accord, tu m'as fait peur. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent les petits Wistiti. Ouais, glace il est cool mec. Allez, vas-y, tue-moi. Oh, t'as failli me le buter. Ok. Là on part pour le 12e. On dirait qu'ils sont... En plus, je sais même pas comment je vais l'appeler. Au pire, j'appellerai Simbad. Old Simbad. Le vieux Simbad. Là c'est le 13e. Je sais que je peux les fumer avec les limit break, mais ça aurait pris tellement de temps. T'imagines, j'aurais le refaire 20 fois, quoi. Genre, il me faudrait 40 limit break de zèle, quoi. Là, je suis à 15. J'irai sauvegarder à 18. Parce qu'avec ma veine, quand j'aurai 19, le temps que je sorte, boum. Pire, si je meurs, c'est de la faute à Bubu. Ok, 18, on va les sauvegarder. Le 19e, ensuite je me régène et on va voir ce que ça donne. Wow, wow, wow. Non, ça allait trop vite. Ça allait trop vite pour moi. Mais tout grave, ouais, non, t'as vu?
Il m'a mis un gros coup de schlass. Il m'a dit, on va se calmer, monsieur. Bon. Tu sens. Ok, 50 000. Oh non, t'es dieu. 50 000 HP. Ça va être compliqué. Attends, on va voler. On va. Ouais, non, là c'est Vla le sac à PV. On va voler Vla la vie aussi. Non, en plus j'ai pas mes invocations avec celle. En plus j'ai failli lui mettre un 9999 dans les dents, quoi. Je me suis retenu à temps. Alors, je sais pas si la Magikarre elle va marcher, mais si elle marche, ça va bien m'aider. Oh non, raté, tu m'étonnes. Ça aurait été tellement simple. Déménagement. Ouais, tu m'avais dit, ça fait des objets. Oh ouais, non, il est sorti de nulle part le mec. Ok, il faut 50 Shiva pour la base. J'ai envie de tenter un pied sur Zell, mais je sens que je vais le buter. Mais après, je me dis, si j'arrive à avoir l'ulti de Zell, aïe, ça coupe. Oh là là, cet enchaînement de chasse. Ah, il lui met du mille quand même. Déménagement, ok. Zell, il va crever, je pense. Ouais. On va ressusciter Zell en espérant qu'il soit dans en limite break, quoi. Par contre, il faut que je régène Linoa, c'est la use. Ah grave, il me balance tous ses meubles. Ah, raté. 30 minutes de cinématique pour qu'il rate. Mais non, tu... Voilà. Non, c'est nous qui avons pas de respect. Hey, on vient chez lui, on a tué 20 personnes. Tu m'étonnes que le mec il pète les plombs. En fait, faut que je fasse sans attaque de Zell en limite break pour le buter, quoi. Non, tu en as tué 18, pas 20. Ah ouais, t'es sûr? Ah ouais, j'ai triché. Ça reste quand même 18 Qs qui était juste en train de chill tranquille, qui ont rien demandé. Mais en vrai, heureusement que j'avais le no combat pour faire Odin d'abord et ça. Oh non, il va la tuer. J'en profite pour faire mes courses, hein. Je lui vole quelques mages utiles. Coup de sonde et lézards verts qui portent une capuche et qui se baladent dans le nord avec une petite lampe et un couteau. Mais les temps sont durs, Sora, regarde, ils sont habillés avec des sacs de patates. Moi je dis légitime défense.
qu'il y a une petite. Heureusement que j'ai zappé. Tu sais c'est quoi le plus drôle? C'est qu'il me fait moins mal que ses fils. Voilà, comme par hasard j'ai dit ça, il vient de me tuer une chimère. Par hasard, tout allait bien. Il m'a mis 3000 de dégâts dans les dents. Non mais là, je vais connaître de Zell par cœur. Ils font comme les poissons dans les abysses là. Ouais, ceux qui te piègent pour te gober. Ça m'avait marqué ça. On en avait un dans Banjo et Kazooie sur Nintendo 64. Voilà, il vient de gober ma chimère là. Tu ne fais que ça. Sora, je crois que je vais te recruter en avocate. Non, j'aurais pas dû attaquer avec elle. Là, il me reste plus qu'à attaquer, hein, parce que. Grave, il attaque des créatures mystiques qui faisaient juste que l'aider, le pauvre. On l'aidait, en plus, il est dans le désert, il fait froid. Oh, il fait chaud, pardon. Squall, il aura sa limite, même si je sais toujours pas sur quel bouton appuyer pour l'activer. Ah mais c'est peut-être V ou X alors, vu que ça apparaît pour Zell. Vas-y, je vais essayer X cette fois-ci. Oh non. Je joue à un jeu là. Ah ouais? Quoi le nom du jeu? Squall, il aura pas pu jouer en tout cas lui. Tu comprends pas le gameplay, l'histoire. En fait, tu joues les 13 sentinelles à différents moments dans l'histoire. C'est pour ça l'histoire n'a pas de sens. Elle en a, mais. Il y en a un, genre ça va être les années 70, l'autre le futur, l'autre le présent, etc. Ah, je pense que je vais peut-être tuer trop de. Il est KO! J'ai le tombéry! Waouh! Il a rapetissé? Ah, ça continue? Il a peur maintenant. Désolé. Hey, il s'est excusé, le pauvre. Tombéry a rejoint votre camp. Ah ouais, non, mais. Ouais. Magie plus 60, je trouve que ça c'est pas mal.
pense que je vais l'appeler Pity Simbad. Merci. Ah, il n'y a pas assez de lettres. Sin, bah, oh, les boules. Ma petite Sin, alors. C'est là où tu vois que je suis vraiment en avance sur le jeu. Regarde tous les trous qu'il y a. Alors, toi t'as tellement de trucs pas mal, souk, acheter à prix bas, trouver des objets rares, niveau... Skiff plus 30%. C'est quoi? J'ai oublié. Honte sur moi. Récupérer des HP en marchant, ça me plaise. Autopopo... Quoi, on va faire celui-là. De toute façon, j'ai plein de trucs à faire. Non, c'est une erreur de le mettre sur lui parce que Simbad il y a déjà trop de trucs. Sur qui je peux mettre Simbad? Je pense que je vais... Bah non, je vais le mettre sur le héros quand même. Ça me fait un peu chier, mais bon. C'est là où c'est compliqué, parce que j'ai pas assez d'espace en vrai. Je mets quoi alors? Pas de défense, mais j'esquive genre. Chance. Tant pis, on va laisser ça comme ça. Non, vas-y, méchance. Non, c'est... Bon, allez, go. Et on se barre de ce pays maudit. Et on va aller sauver Balamp un peu, hein. Elle est où, la BGU? Je suis obligé de faire le détour à cause d'Horizon, qui est une longue autoroute entre les deux continents, quoi. Et voilà, Galbadia qui est chez nous. Je vais sauvegarder. Mettre mon téléphone portable à recharger. Et on va aller s'embrouiller.
Ce jeu, je vois ça. Pourquoi? Par rapport à l'histoire encore? Ce qui me tue, c'est, tu sais, t'as essayé une tentative d'assassinat dans le jeu et personne te reconnaît, quoi. On était 1945, là on part en 2100, et des patates, sauf que le perso on l'a vu dans le futur, et on le revoit là dans le futur. Oui, parce qu'il y a des voyages temporels, et un mec du futur va influencer un mec du passé qui va influencer un mec du futur, c'est... Je vais te dire, le jour où ils ont créé le jeu, il y a un mec qui a dit voyage temporel, genre il a mis 50 fois l'idée, quoi. Au moins, si je fais un l'explication sur l'histoire de 13 Sentinelles Aegis, je sais que toi tu vas le lire sur cet article. Non, mais grave, tant que tu rates, ça passe. T'as vu ça? Genre, ils sont là, personne ne reconnaît que c'est moi qui ai essayé de tuer le leader de leur nation quand même. Hop là, infiltration de deux. Va prendre selfie, ça fait longtemps. Là, là, la Dream Team, là. Pour sauver... Ok, j'aurais pu prendre Quisty si tu me diras, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec. Écoute, si tu fais un article, je suis preneuse. Je bois pas d'alcool, Sora, mais je crois que si je dois résumer l'histoire de jeu, je vais m'y mettre. Je vais voir la daronne Azel. Quoi, sa mère n'est pas là? La Simbad, je sais quand même qu'il y a un couvre-feu, mais t'as pas le droit d'aller dans ma chambre. Attends, Odin Sphere, c'est pas avec la sorcière là? Ouais, mais Odin Sphere, c'est un. Ouais, non, je crois que ça date, mais il me semble que oui. Il faut qu'il parte. Ah non, il ouvre. Ouais, il y a 4 persos dans Odin Sphere, dont une sorcière, non? La sorcière, elle porte une capuche. Il me semble y avoir joué à Perpète, mais oui. Je sais que je dois affronter Fujin et Rijin. Il me semble que je dois leur voler un truc. Une chimère. Oui. Je vois de quel jeu tu parles. Tu l'as bien aimé? Il est en patrouille. Il y a 5 persos. Ah, il n'y en a pas 4. Oh.
Je me souviens, ce mec-là, il me fait payer pour avoir des infos. J'adorais, j'y ai joué, il est ressorti sur PS4. Ah, GG! Sur le navire des 7 plans. 6 plans. Gwendoline, la Valkyrie. Cornelius, le Mercedes. Moi, c'est Vel. Voilà, Velvet. La sorcière, c'est Velvet. Je me rappelle, il est en train de manger, je dois faire des allers-retours entre la gare, la maison de zèle et le port. Je vais peut-être relancer FF10. FF8, pardon. Tiens, tu me donnes envie. Ah ouais? C'est les vins Tombéry qui t'ont donné envie, c'est ça? Ah ouais, ça veut torturer tout le monde. C'est ça le problème, t'as Alzheimer. Tu te souviens des choses, mais pas tout à fait. Je sais que je dois faire un truc ici. J'ai lui qui me demande de payer de l'argent à un moment. Ou alors je me trompe complètement. Non, il va me raconter. Ah, il est pas fort, blablabla. En plus, je louche maintenant, super. Ah, c'est le chien que je dois déplacer. Non, ça c'est Fujin. Mon tocard. Thank you.
Ah bah heureusement que la mère de Zelle, s'occupe de la ville. Alors, je sais que je dois aller à la gare à un moment. Est-ce que c'est maintenant ou pas encore? Ok, donc je dois réussir à utiliser le chien, j'imagine qu'il me faut de la bouffe. J'ai compris que le commandant c'est Fujin et le capitaine ça doit être Rijin qui pêche. Il dort derrière une voiture, il y a ses... Ah non, il y avait une voiture à l'entrée. Oh là là, je donne ma langue au chat. Ouf, au chien. De toute façon, j'ai plein de thunes dans le jeu, vas-y, va pour le ragot. Faisait sa sieste, ok. De toute façon, je suis pété de thunes, vas-y. Faut à vérifier. En vrai, j'aurais dû. C'est quoi info au top go? Faut une cuisine et tu peux pas aller à l'hôtel. Il peut aller chez elle quand même, chez quelqu'un. Attends, et c'est quoi la dernière info que je me marre?
Ok, un homme vient d'utiliser la cuisine, blablabla. Donc il a cuisiné. Il va le partager avec ses hommes, donc il va aller à la gare. Wow, là, il y a une petite diarrhée là. Ok, là, je suis un peu perdu. Je dois repartir voir le chien maintenant. Ça se trouve, le chien on l'utilise même pas, je vais me tirer une balle. Ah, si, il y a un mec qui est parti. Ah, il y a du changement. Il faut prendre du smecta à mon avis. On peut pas le pousser dans la mer lui? Un soldat en moins comme ça, je me crois dans Hitman. Toi, tu vas sentir l'odeur du poisson, vas-y, tu te casses. Et là, les voitures, elles vont bouger. Non, oui. Là, je vais aller à la gare, voilà. Le chien il tire à la langue. Mais bon, ça c'est pas un sale chien. Oh le bordel! Ah voilà, Eijin qui se fait courser par le chien. Et là je retourne à l'hôtel et je vais pouvoir les affronter normalement, avec Fujin. Suivre le chien. Ouais non, ça t'inquiète pas. Mais je savais qu'il me fallait du poisson pour le faire bouger, j'avais oublié comment. Ah j'ai pas de point de sauvegarde. Je vais devoir tout refaire si je perds. Oula, reculer, ça peut être dangereux. Aïe! Ouf! Oh non, j'ai pas pu sauvegarder. Pitié, faut pas qu'Odin il apparaisse. Si Odin il apparaît, j'aurai pas le temps de capturer. Ouais. Bonjour, je voudrais rejoindre le site, l'un des meilleurs que. Grave. D'accord, bonne lycée, on suit le chien. On vient libérer Ballante, mon pote. Sale traître. J'en profite. Ah, elle n'arrive pas à voler. Ok. Bon bah, vu que c'est quand il y aura les deux, je pense que je vais t'enchaîner un peu. Oh mais j'ai pas invoqué ton berry, tiens, je vais l'invoquer après pour voir ce que ça fait. J'ai oublié depuis le temps. Oh, il est déjà KO? Non. Ça va régénérer tout le monde.
force verte. Et dans Power Rangers, quoi. J'ai complètement oublié ce qui fait ton Berry, pour vous dire. Un petit coup de chlass. Ouais, je fais un peu mes courses. Petit coup dans le genou, grave. C'est fini sa carrière de footballeur. Oh, j'ai réussi à endormir un boss. Bah là, Zell, il va bien le réveiller. C'est rien, c'est la rue. En fait, tant que t'arrives, ça, waouh, c'est un truc de dingue, quoi. Bon, là, je pense qu'il est KO. Hein. Ouais, voilà. Aïe, ça fait mal, tu m'étonnes. Non, ah, ça va. On va juste sauvegarder. Si c'est pas trop demandé. Super, super. Commandant, ouais, le commandant c'est Fujin, l'ami. Non, je veux sauvegarder. On dirait que tu es toute seule, tu veux toujours te battre. Vous allez me le payer. Et voilà, là ils vont être tous les deux ensemble. Bon, faut juste que je vole la chimère. Pitié, Odin, n'apparaît pas. S'il te plaît, je peux pas tout refaire. Ok, passons aux choses. Oh non, il me l'a puté. Sous les ordres de Kiefer, non, de Sefer, non. Oh, la terrible erreur. Grave erreur du joueur français. Kiefer. Voilà, on a la chimère de Zephyr, ça va calmer un peu. Wow, comment il s'est relevé, Zell. Attends, pourquoi c'est écrit Red Fin Kick alors qu'il tape pas? Il a pas mis de coup de pied pourtant. Eh, je risque de perdre cette partie, j'ai pas eu le temps de régénérer mes persos. On va lui remettre le même combo de tout à l'heure. Oh là là, si je perds, je dois tout refaire. Là, faut que Regin il soit KO.
En espérant qu'il y ait 7200 HP comme elle, ça devrait aller. Oh là là, ce que je lui mets pas. Et encore, j'ai pas toutes les compétences de Zelle, sinon ça aurait été trop drôle. Je me rappelle, il y avait une technique, c'était bouillage, j'enchaînais trop. Un dernier pour la route. Oh, j'ai réussi. Ok, là je pourrais pas en poser. Je suis blessé. Je pense que Zelle il va remettre la même raclée. Où est Elon? Ouais, elle pose des questions après. C'est nous qui posons la question ici, madame. Attends, je vais voler Zephyr. Ouais, ça va, je peux l'enchaîner maintenant. Rien de mieux qu'un petit peu de dîner survolté pour calmer l'affaire. Attends, j'avais... Je pense que là, elle est déjà KO en vrai. Je suis en train de taper quelqu'un qui est déjà cuit. Bon, allez. On va faire VI. Là. Nous sommes vaincus. Ah, elle s'enfuit pas par contre. Tiens, chose intéressante, si j'avais battu Fujin avant, est-ce qu'elle s'enfuit et Raijin reste? Mince. C'est qui voulait avoir Zephyr déjà? Nana veut Odin, Sarah-chan j'ai pris Odin. Non, Nana veut pas Amut, Sarah-chan j'ai pris Odin. J'ai pas donné de nom. Iselis, je crois que je n'ai pas donné, tiens. Non, Ancienne Song, elle me disait qu'elle voulait la voir, je me souviens. C'est la bonne question. Ouais. Le problème, c'est que j'ai pas assez de place pour écrire Ancienne Song. Je vais l'appeler Ancien. J'aimerais bien jouer à Pokémon avec vous. Un Pokémon, un nom de follower, ça peut être trop drôle. Ça donner des drôles de dialogues et tout. Ok, est-ce que je peux sauvegarder ou non? Ouais, bon, vous aimez ces faire, c'est votre pote, normal, c'est la rue. C'est vrai, vous venez tous de la fac de Créteil quand même. On n'est pas des traîtres, on se voit assez faire jusqu'au bout. Ah là là. Les compagnons d'hier sont les ennemis de demain. Tu plaisantes là? Aïe! Eh hey, attends, elle l'a pas tapé sur cette jambe? Eh, hey, Raijin quand même il m'a buté. Il a une technique, c'est Raijin Kick. Normalement c'est un coup de pied, et non il te met des coups de bâton.
À minuit, on sait jamais qui est qui. La fac de Créteil nous a appris à gérer ce genre de problème. Elles deviennent des traîtres puisque c'est faire attraper tout le monde. Non, ouais, non, mais tu sais, il justifie en mode. C'est faire, il veut faire un holocauste, nous on le suit, hein, mais on n'est pas d'accord. Allez, on y va. Non, je veux sauvegarder Squall. Est-ce un péché? Alors, petit cachotier. Tu as décidé. Ouais, la fac de Trabia, je crois. Oh, je sais plus. Ah, oh, bah, si, bah, voilà, si. On va aller visiter la fac de Sergi maintenant. J'avoue, être rapide, ça peut être pas mal. Ah, ils veulent pas me laisser sauvegarder, genre. Ah ouais, toi, bah non, toi tu vas augmenter. Combustion, je sais plus du tout ce que ça fait par contre. C'est quoi? Va pour combustion, on va découvrir ensemble ce que c'est. Toi t'as appris la morse, auto-boomerang ça peut être pas mal, mais on va rester un peu sur. Sur des valeurs sûres. Petit apprend topopo. Piticine t'apprend ça. Ok, tout le monde a son job, parfait. On va aller à la fac de Sergi. Ok, on a sauvé Balamp, c'est cool, je veux juste sauvegarder. Qu'est-ce que j'ai fait? Désolé, des fois j'ai Streamlabs qui me fait des retours Windows du style « Hey, au fait, fais gaffe !» C'est sympa, hein, mais... Ok, merci Streamlabs. Streamlabs qui me donne envie de manger des donuts. Ah oui, faut que j'associe la dernière chimère, mais j'avoue, je sais pas à qui la mettre. Tiens. De toute façon, le boost de vitesse, tu l'auras pas maintenant. On va aller voir la fac de Trabia maintenant, qui a subi l'attaque des missiles. Thank you.
On dirait une forêt de chocobo, ça. Qu'est-ce que je disais? Chocoboy. Salut les gars, ici c'est la forêt de l'errance. Bienvenue dans la forêt de Fontainebleau. Ah, je me rappelle même plus. J'aurais dû dire non. Ça coûte cher. Ok, je viens de me faire voler. C'est un petit ninja. Hein. Allez hop là, vas-y, reprends tes 1000 balles. Attends, je vais pas me le refaire voler. Waouh. C'est là qu'on voit que le gameplay en 20 ans il a bien évolué quand même. Ben non, à l'aide, aide-moi petit. Ok, vas-y, tiens, tiens, prends 1200 giles. L'avantage d'être riche. Ah, il nous a fait une petite danse pour les invoquer. Oh bah ok, y a le... Comment je le capture déjà? Ouais, pas mal du tout l'ami. Beau boulot, ah ouais. Oh mince. Oh mince. Je vais l'appeler Poppy. Oh, alors, vont... Wow, il parle quelle langue, là? Vont pomver, pomver, comme dit. Gamin, tu ferais mieux de venir à l'école avec moi. X, F. Elle est où, cette maudite fac de Travia? Ah, j'avoue, tu tues pas bête. La musique est super chill. Attendez, regardez la tête du petit chocobo, elle est trop drôle.
Attends, j'ai gardé la musique chill alors que je vais dans une fac détruite. Ah, je suis KO. Oh, c'est bug. Elle est en train de déprimer pour sa fac et il y a une musique super. Ah, je suis KO. On va pas être dans l'ambiance là. Faut que la vraie musique se lance. C'est pas mal la musique. Oh non, mais la ouais, musique elle s'est séchée. Vas-y, un fail de plus. Ah, elle s'est arrêtée d'un coup sec. Comme vous voyez, sans cesse... Non, grave, super triste. Matt, comment sa fac, elle a été désintégrée, quoi. Grave, si déjà t'es choqué de voir ta ville occupée, alors l'avoir désintégrée comme ça. Mais bon, au moins c'est réaliste quoi. Enfin, réaliste c'est un grand mot, mais c'est le côté négatif de la guerre quoi. Eh, hey, tu cherches selfie, non? Bah, rentrer dans son jeu. Oh, la source elle s'est rapidement rechargée. Alors le terrain de basket. Oh là là. Ça c'est l'un des trucs qui m'a toujours marqué dans le jeu, c'est que j'aurais bien aimé voir la fac elle ressemble à quoi avant. Mais comme on peut pas accéder à celui avant. De toute façon même si on pouvait, on pourrait pas quoi mais. Oh. Je pense que ça aurait été beaucoup plus impactant si ensemble et tout. À gauche vers la gargouille, partir vers le sud, 5 pas à partir de la gargouille de Trabir. D'accord. 5 pas vers le sud. J'ai pas eu de gargouille, mais je ferai gaffe.
Ah, c'est la photo de cette fille, ça. Ouais, elle est venue voir. Oula! Vous allez pas voir mon compte privé Twitter, quand même. Attends, elle est venue nulle part, n'empêche. Alors, est-ce qu'il y a une gargouille par là? D'accord, le missile il a pas explosé, mais je pense que c'est une mauvaise idée de rester à côté, non? Voilà. Quelques indices, en effet. Bonne nuit Sora, ciao ciao, à la prochaine peut-être. Bye bye. Pacifique. La guerre est la pire des solutions. C'est là où Irvine va leur dire, je crois. Voilà, un petit panier. Ah voilà, ils parlent de l'orphelinat. Là, ils vont se rendre compte qu'ils y... Je vais rien dire.
Il y en avait une qu'il adorait. Tadam! Irévi, trop chou. Oh la gueule! Et là, gros plot twist. En fait, à part Linoa, ils viennent tous de l'orphelinat. Oh, le petit zèle. Oh, je vais cogner quelqu'un, moi. Petit squal. Es-tu parti, Lelon? Ah, et c'est là, t'as l'identité de la personne qui gérait l'orphelinat, je pense. Super, même en étant dans un souvenir, je peux gagner de l'argent. C'est pas magnifique ça. Même dans un souvenir, j'arrive à être perdu. C'est fort que. Alors ça, c'est une fenêtre à droite. Ouais. Petit, mais ça faisait déjà des bêtises. Tiens, c'est un mini CFR ça, non? Porter les mêmes fringues genre toute sa vie. Pense pas que tu sois l'enfant légitime de la famille Dinch. Ah, la gouvernante. Ah non, pas encore.
C'est pour ça que Squall il s'est enfermé sur lui-même. Et voilà, c'est pour ça que Kellon, elle envoie ce groupe-là à l'époque de Laguna. Est-ce que ça explique dès maintenant pourquoi ils ont perdu la mémoire? Yo, je pas juste pour te dire que. Oh non, c'est vrai? T'es en train de me dire que depuis ce soir, je suis en train de tout stream en Hearthstone pour un Final Fantasy. Oh mon dieu. Je vais changer ça. Mais je vais avoir de gros soucis. Twitch va me tomber sur les dents. Oh là là. Plus j'ai fait plusieurs heures, ils vont me dire, monsieur, vous avez triché. Voilà, on va voir la réponse. Merci Féro en tout cas. Voilà, les Guardian Force. Ah, la gouvernante. Voilà le gros truc.
Tadam. Et voilà, la prêtresse et la gouvernante n'étaient qu'une seule et même personne. Il neige. Un cadeau des fées, ah bon? Là, on va devoir aller à l'orphelinat. Ça m'a ramené à la BGU direct, alors que j'étais venu en chocobo. Passer où mon choco? Faudra que je fasse cette quête un jour. Bah écoutez mes chers amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à samedi prochain, 21h30 environ pour la suite. Pourquoi je m'arrête là? Parce que grosso modo, je vais vous spoiler un peu, mais en allant à l'orphelinat, je vais rencontrer la fac de Galbadia, et il y aura une très grosse bataille qui achèvera le second CD, sans l'autre révélation et tout. Et je préfère faire ça d'une seule traite que de commencer un peu et de vous laisser sur la fin ainsi que moi aussi. Donc voilà, samedi prochain Final Fantasy VIII. Demain, je sais pas, soit Genshin Impact, soit Hearthstone, soit je sais pas, un autre jeu, je verrai bien. Portez-vous bien, bonne soirée, bonne nuit, ciao ciao tout le monde. Ah, il faut que je pense à sauvegarder quand même. Et je mettrai forcément la sauvegarde, enfin la vidéo sur YouTube à un moment quoi. Bye bye, au prochain épisode, ciao ciao.